Le premier oiseau qui était capturé et nettoyé pendant la catastrophe Deepwater Horizon, la marée noire de 2010, c'était un foubasson. Ce qui m'a touché particulièrement, parce que je venais de visiter leur territoire de nidification sur l'île Bonaventure. Ce qui renforce pour moi cette notion que nous sommes tous ensemble. Et il y a plusieurs sortes de folies. Il y a la folie personnelle, bien sûr, mais il y a aussi la folie communautaire ou de l'homme, tout simplement, quand il a l'arrogance d'imaginer qu'il peut continuer à abuser et détruire l'environnement naturel et maintenir la qualité de sa vie et de la vie des générations futures. Et à tous les jours, je devenais, j'étais pas mal déjà, un peu plus fou à tous les jours.